Ça. On y va. Serge Fato. Wow. Mon frère, comment vas-tu? Zen Zara de 13, je vais dire salut à toi. Serge, on dit quoi? Oh là, bonjour. Bonjour, bonjour, Serge Fato. Que Dieu veille sur toi. Rodi Nyonso. Assez-moi. Ma peau a voulu. Ah, bonne fête, maman. Nyonso, assez un beau. Yeah, à Dalagoun, ok. Moi, yeah, à Dalagoun, ouais. Moi, yeah, ma, Dalagoun, ouais. Moi, yeah, ma, Dalagoun, ok. Eh, eh. Bien, ce matin, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de beaucoup de choses. On va parler... Bon, je sais, moi, je suis au marché. Hein. Vous pouvez commencer à insulter. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il y a, je vais vous dire ça. Ce qu'il y a là, je vais vous dire ça. De temps en temps, il faut dire quelque chose à quelqu'un pour qu'il comprenne. Alors, pour commencer, je dis bonjour à tous. Moi, c'est Thérèse Bazé, la voix des 100 voix. Vous voyez, c'est beau d'être sur, de faire des directs, c'est beau de parler, c'est beau de dire tout ce qu'on veut. Mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. La dernière fois, c'était Bleu Brigitte et le neveu de son mari. Vous avez pris ça, vous avez chargé. Vous n'avez jamais su ce qui s'est passé là-bas. Je ne suis pas en train de défendre Bleu Brigitte, mais je suis en train de dire que ça peut m'arriver aussi. Je peux élever quelqu'un pendant des années. Je pense qu'à 36 ans, il peut aller se chercher. On t'a trouvé du travail. Maintenant, on te dit va. Si on dit va, il faut partir. Il faut partir. Tu dois avoir une maison, une femme. Tu ne peux pas vivre chez les gens et puis avoir une femme là, ce n'est pas possible. Je me rappelle une année, il y a un monsieur qui a chassé son petit frère de chez lui. Ce sont des Yakuba encore. Il a chassé, il a fait venir son petit frère à Abidjan. Ils se sont promenés, il a appris à plombier ou à plomberie. Ils ont appris. Maintenant, quand son grand frère a vu qu'il connaît, il lui a dit, bon,
faut partir te débrouiller seul, va prendre ta maison et puis tu fais chose. Tu fais ton travail, faut plus me suivre. Le petit est fâché. Il est sur les nerfs. Partagez, hein. Partagez, likez. Partagez, likez. Et donc, il est fâché, il est parti 2 ans, il ne parle pas à son frère. Il a fait 2 ans, il n'a pas parlé à son frère. Dans ça, dans son petit travail là, il a tout fait. Il a eu un peu d'argent, il s'est pris une maison. C'est à Bobo. En son temps là, la maison n'est pas très chère. Tu peux venir dans la maison, après tu payes la caution. Il a pris sa maison, il a pris une femme. Ils ont fait 2 enfants. Un matin, il prend sa femme et ses enfants. Il dit, allons chez mon grand frère. Josiane Désiré, la glorieuse, bonjour. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, je ne vois pas de commentaires. Tout ce que je vois, on dit, tant regarde. Ils sont en train d'attaquer encore ou quoi? Je ne comprends pas. Hein? Et donc, il vient, son grand frère dit, il y a quoi? Tu t'es trompé de maison. Il dit, je suis venu te dire merci. Si tu ne m'avais pas chassé, je n'allais pas avoir une famille. Au fait, souvent, quand vous êtes chez les gens, quand on vous dit reculer, c'est pour votre bien. On n'a pas besoin d'aller sur YouTube pour raconter des choses. Tu racontes aujourd'hui, les gens te soutiennent. Et demain, parce que c'est ta famille. Hein? C'est ta famille. Remarquez, quand il y a un décès, même s'il y a anniversaire, on finit de pleurer, les gens s'en vont. On finit de manger, les gens s'en vont. Non, c'est ta famille. Et vous, c'est ça, c'est de ça que vous parlez. Bon, ça c'est un cas. Le deuxième cas, c'est José et puis José Serédi. Il y a quel problème? La femme là, elle chante, elle a fait un enfant avec Serédi. Elle ne peut plus faire d'enfant. Elle a le droit de faire son enfant. Vous poursuivez la jeune fille là, vous cherchez le père de son enfant, c'est pourquoi? Hein? C'est pourquoi? Vous cherchez le père de son enfant, c'est pour faire quoi avec? C'est pas bien. C'est pas bon. Moi, je vous regarde, hein, je vous regarde, vous tous, je vous regarde. Je ne mets pas ma bouche, mais je regarde. Quand on lance une grosse pique à l'un d'entre vous, il récupère, il devient nerveux. Mais c'est pas ça, vous occupez de la vie des gens. C'est la guerre. Il n'a pas le droit. Hein? Il n'a pas le droit de faire un enfant. Chaque femme se plaît dans sa position. Il y en a qui veulent même être 4e femme. Elles ont leur maison, elles ont leurs enfants. Le reste, ce n'est pas leur problème. Si le mari même veut là, elle va lui chercher une 5e femme. Chacun a sa manière de voir. Hein? Hé, hey, Nad, mon ami, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Waouh. Mais Kachera, mon ami, il y a longtemps que tu es là. Que Dieu veille sur toi. Donc, vous rentrez dans la vie des gens. Vous ne voulez pas qu'on rentre dans pour vous. Mais on va rentrer dans vos vies. On doit rentrer dans vos vies. Si tu ne t'intéresses pas à la vie de quelqu'un, il ne s'intéresse pas pour toi. Il ne s'intéresse pas pour toi. Mais vous êtes là. Vous rentrez. La fille, elle ne doit plus faire d'enfant. Elle n'a qu'à garder un seul enfant là. Et vous aussi. C'est-à-dire, c'est sa vie. Il trompe sa femme à elle. Tromper sa femme là, ça fait mal, c'est pas bon. Mais on c'est pas à nous de diriger ta vie. Oh. Nous, on ne peut pas diriger sa vie.
On va diriger sa vie comment? Judith Rose Hulot. Bonjour maman, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que Dieu veille sur toi. Donc, laissons la vie des gens. Les gens vont laisser nos vies. De la manière porte-porte qui est vilain, là, est venu, vous avez chargé. Après, vous êtes venu sur Bleu Brigitte, vous l'avez chargé. Des fois, même, souvent, vous dites, attention, attention. Docteur Thierry, Taou, bonjour. Moi, je ne sais pas comment on invite. Personne ne parle. On dit, lui là, regarde. Qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. Je ne vois même pas bonjour, maman. Je ne vois rien. Mais bon. Donc, laissez-les tranquilles. Hein? Regardez, par exemple, le jeune là. Il y a combien de personnes qui ont parlé de son cas? Kes Blum là. Combien de personnes qui ont parlé de son cas? Là, les gens, ça ne vaut pas 4 personnes. Mais pourtant, vous chargez. Quelqu'un est parti coucher avec une femme, ils ont fait un enfant. Ça, vous chargez ça. Mais voilà un enfant qui est en danger là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire là-bas? Pourquoi il est bloqué? Il est parti jouer et puis il est bloqué. On ne cherche pas à décortiquer ça. Hein? Nanaïe, bonjour. On ne cherche pas à décortiquer ça. On est sûr. Affaire d'enfant de José, et puis on est déçu, ça ne finit pas. Ça ne finit pas, ça ne finit pas. Maintenant, votre frère qui est là-bas, il est parti là-bas. Personne n'en parle. Il y a peut-être 4 personnes qui ont parlé. Personne n'en parle. Il demande l'aide du gouvernement. Hein? Il demande l'aide du gouvernement. Pourquoi? Hein? D'habitude, quand quelque chose n'est pas bien ici, là, et qu'on en parle, et puis les gens règlent ça, là. Vous n'avez pas fait ça pour lui, hein? Sani Zokba, bonjour. On n'a pas fait ça pour lui. Partagez, likez. Je ne comprends rien dans ce direct de ce matin, mais je vais parler quand même. Partagez, likez. Voilà, partagez et likez. Donc, parlez plutôt de votre frère que de ça. José a fait enfant. Félicitations. Avec qui, avec quoi, ça, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Mais vous, vous avez pris, vous avez changé. Maintenant, on a notre enfant qui est quitté ici en Côte d'Ivoire, qui est parti au Cameroun, qui est bloqué là-bas. Qui en parle? Il y a peut-être 4 personnes qui ont essayé de parler, c'est tout. Pourquoi il est bloqué? Hein? Pourquoi il est bloqué? Vous ne parlez pas de ça. Hein? Vous ne parlez pas de ça. Pourquoi? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Et puis c'est quelqu'un a accouché son enfant. Sa joie, là, on la partage, après on la laisse dans sa joie. C'est ça, vous chargez. Franchement, votre manière, là, je ne vous comprends pas. Sinon, je vous lis tout, je lis tout le monde, j'écoute tout le monde. Chacun n'a qu'à faire ses trucs sans rentrer dans la vie de l'autre. C'est tellement beau. Je sais que ça va vous énerver. Vous allez me parler mal, vous allez m'insulter. Mais ce n'est pas un problème. Nous autres là, l'âge qu'on a là, un jus là, c'est comme on verse l'eau sur quelqu'un. C'est comme on verse de l'eau sur quelqu'un. Une année, les Zongos sont partis là-bas. Ils étaient bloqués là-bas. C'est le pays qui est parti les chercher. On ne parle pas de tous les Camerounais. Il y a des Camerounais qui ne sont pas prêts pour quelque chose. Ils se lèvent, ils veulent faire ça. Ils veulent faire ça. En temps normal, le billet d'avion de quelqu'un ne doit pas venir le jour de son voyage. Ce n'est pas normal. Toi-même, ça devait t'interpeller, KS Blue. Ça devait t'interpeller, tu devais te dire, le jour du voyage, et puis billet d'avion vient là. Est-ce que le devant est bon?
Likez, partagez, je vois aucun cœur circuler. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils ont bloqué, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Likez, s'il vous plaît. Likez, partagez. Likez, partagez. Likez, partagez. On me dit d'inviter quelqu'un. Moi, je ne comprends pas votre français, là. Ah. Voilà, donc dans la vie, quand tu t'intéresses pas à la vie de quelqu'un, quelqu'un s'intéresse pas à ta vie. Ainsi va le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Moi, je vous demande de faire du tapage, de faire du bruit. Le petit va quitter là-bas. Je ne sais pas s'il a quitté là-bas. Hein. Faites du tapage, faites du bruit pour qu'il vienne. Il n'a qu'à rentrer, il n'a qu'à venir chez lui. C'est ici qu'il est. C'est ici qu'il est né. C'est ici qu'il a grandi. C'est ici qu'il a conçu ses chansons. Donc, faites du bruit autour de ça pour qu'il vienne. Que de parler de ce qui nous tous, ça ne nous regarde pas. Nous tous, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Voilà. Après ça, je voulais aussi parler un peu du comportement des gens. Quand tu es avec les gens, par exemple, tu es avec des gens, vous causez, vous êtes par exemple trois amis. Vous êtes trois amis. Quand un se lève pour aller pisser, vite, vite, vous critiquez. Quand il vient, vous fermez vos bœufs. L'autre se lève, il s'en va faire pipi. Vous critiquez. Amitié à trois, je ne conseille pas ça à quelqu'un. Amitié à trois, là, je ne vous conseille pas ça. Ce n'est pas bon. Merci beaucoup, Zenzara, pour les étoiles. Merci. Continue d'en mettre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais continue d'en mettre. Ce que j'ai dit, ça fait longtemps, je ne vous ai pas vu. Sans vous, je ne suis rien. C'est votre nom, ça. Sans vous, moi, je ne suis rien. Ça fait un bout de temps, parce que j'étais, ce que vous connaissez, je ne vais pas en parler toujours. J'étais là, et puis maintenant j'ai dit, bon, j'ai essayé de revivre. Je vais essayer de revivre. Maintenant, quand je viens, que je parle, et puis tout le monde dit d'inviter, si celui-là dit coucou. Hier, les gens m'ont dit beaucoup de bonjour, comment vas-tu, maman Gbazé. Aujourd'hui, je n'en vois pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc, amitié à trois, je ne conseille pas ça à quelqu'un. Amitié à trois, ça ne se sépare toujours par palabre. Ça ne se sépare toujours par palabre. Parce que si c'est trois garçons, c'est bon. Mais trois femmes, un coup de femmes. Yeah. Un coup de femmes, c'est dangereux. C'est elles qui vont trouver que la robe de l'autre est penchée. Qu'elle, depuis là, quand on marche ensemble, il n'a jamais remarqué que son nez, là, un côté est tordu. Hein. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Si quelqu'un vient faire amitié avec toi, c'est parce qu'il t'aime bien. S'il ne t'aime pas, il va faire amitié avec toi. Pourquoi? Il ne fait pas amitié avec toi, il reste dans son cœur. Et donc, je demande à toute une chacune de voir avec quel ami elle marche. Une année, il y a une jeune fille qui sortait avec un monsieur qui était marié. Si vous voyez les trois filles là, elles sont collées, l'eau ne rentre pas entre elles. Mais comme le monsieur s'occupait bien de la fille,
L'autre s'est levé. Alexandre Aurel Kofi. Bonjour. L'autre s'est levé. Elle a fait une longue lettre. Aller chez le monsieur là-bas. Et puis elle a mis ça sous la porte du monsieur. Ce jour-là, le monsieur n'est pas venu tôt. C'est sa femme qui est venue tôt. Et la femme a vu la lettre. Elle dit, bon, voilà. Voilà la lettre qui est venue, mais malheureusement, c'est moi qui ai pris la lettre. Il commence à lire, le monsieur assis, il est abasourdi, il ne sait pas quoi dire à sa femme. Lui qui a voulu se cacher. C'est l'amitié qui est là, hein. Amitié à trois, là, c'est de ça que je parle. C'est l'amitié qui est là. Bon. La jeune fille demande à ses amis, mais qui sait que je sors avec le monsieur là? Pour écrire tous ces détails. Pour que quelqu'un écrive ces détails-là. C'est parce qu'il est au courant de l'histoire. Il ne peut pas se lever comme ça pour aller écrire une lettre. Ce n'est pas normal. Ah, c'est ça qui est là. Donc l'amitié, c'est difficile. L'amitié, c'est compliqué. L'amitié, souvent, ce n'est pas bon. Souvent, c'est bon. Souvent là, c'est pas bon. Souvent, c'est bon. Il y a des amis qui t'aiment réellement. Il y en a, ils t'aiment pas vraiment. Ils font rien avec toi. Ils sont là par intérêt. Ils sont là par intérêt. Ils sont là par intérêt. Fred Hugo, bonjour. Ils sont là par intérêt. Si l'intérêt est fini, il s'en va, il te donne d'eau. Il te donne d'eau, il ne fait rien avec toi. Qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Tu vas lui rapporter quoi? Il prend sa route. Par contre, il y en a, c'est compliqué, c'est difficile, ils sont là. Ils sont là, ce n'est pas leur problème. Quand tu as des problèmes, ils sont à côté et puis ils rient sous cap. Il rit sous cap, pourquoi? Ah! Non. Donc, faites très attention aux amitiés. Faites très attention, surtout quand c'est trois femmes là. Faut quitter. Faut quitter en même temps. Hein? Sinon, ah! Ah! Toi-même, tu vas sentir ça. Ok. Donnez-moi une minute et je viens. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. J'ai mis quelque chose au feu, hein. Je viens. Il n'y a pas tête de mort. D'accord. Ok. Voilà. Donc, je parlais d'amitié à trois. C'est pas la peine de rentrer du temps.
Et puis quand tu es là, ça sera demain. Le titre de demain, c'est les amis qui n'encouragent pas leurs amis dans le foyer. Il y a des amis comme ça. Ils n'encouragent pas quelqu'un dans le foyer. Vous voyez, moi, je ne peux pas insulter les gens. Je ne peux pas venir là pour insulter les gens. Je ne le ferai pas. Ce que moi, je peux faire, c'est de conseiller souvent, de crier les mots de la société. Je comprends français maintenant. C'est pour ça. C'est ce que je sais faire. Voilà. C'est ce que je sais faire. C'est ce que moi, je sais faire. Alors, quand tu es avec des amis, et on est des amis de longue date, un matin, quand tu vas découvrir ce qu'elle fait dans ton dos là, tu vas mourir en même temps. Tu vas, pour nous les faibles comme ça là, tu peux pas, tu parles seul, tu parles. Tu parles parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose, tu es là, c'est-à-dire que tu expliques ton problème à quelqu'un, le temps de savoir, problème même a pris escalier, il est rentré chez quelqu'un. C'est amitié à trois. Ça, je ne vous conseille pas ça. Ne faites pas amitié à trois. Deux camarades, c'est bon. Mais deux même, c'est dangereux. Deux là, c'est dangereux. Tu n'as pas d'amis là. Tes enfants sont tes amis. Fais amitié avec tes enfants. Vous causez de tout et de rien. La télévision est là. Parce que tu avais... Vous vous rappelez l'histoire qui s'est passée au Cameroun. Deux amis qui marchaient ensemble, qui faisaient des amis d'enfance. Parce que l'autre pense que la fille, sa camarade est aimée que elle. Hein? Elle s'en va, elle prend son temps. Pendant qu'elle est en train de chercher poison pour la tuer, l'autre ne sait pas. Elle, c'est son amie d'enfance qu'elle adore à cause de iPad. À cause d'un simple téléphone qui, quand ça tombe, ça se casse là. Téléphone qu'on meurt pour laisser là. Son amie, pour elle, c'est son amie. Elle a préparé chez elle, viens, on va manger. Et puis tu t'en vas, tu l'empoisonnes. Peut-être qu'elle est allée prendre quelque chose dans la cuisine qui manquait sur la table, tu l'empoisonnes. Elle est en train de mourir, ce débat. Tu prends iPhone, tu t'en vas. Mais comme Dieu, lui, il ne dort pas, quand tu partais, ta carte d'intérêt est tombée. On t'a attrapé. C'est quelle vie tu vas mener maintenant derrière les barreaux? C'est quelle vie? C'est quelle vie tu vas mener derrière les barreaux? Hein? Ton amitié là, on doit faire très attention. Camarades, oui, c'est bon. On est des camarades. Mais amitié là, c'est trop compliqué. C'est compliqué. Hein? Je vous dis bien que c'est compliqué. Il y a des amis, tu causes avec lui, il ne croit jamais à ce que tu dis. Quand tu es avec un ami que tu causes avec lui et puis il ne croit jamais à ce que tu dis, il faut commencer à réfléchir. Commence à réfléchir. Pourquoi? Chaque fois que je parle, il dit une chose. Asi miracle. Asta miracle. Bonjour. Ah, Asa miracle, tu as compris, non? C'est mieux que ton enfant soit ton ami. Que quelqu'un qui est dehors là-bas, qui est mauvais, qui ne t'aime pas, mais il fait comme il t'aime. Il fait comme il t'aime. Chaque fois que tu dis quelque chose, il dit non, 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 moi je ne crois pas à ça. Et, bah, non, non, non. Et puis devant les gens, il ne peut pas attendre. Raïssa Gadji, salut à toi. Farida. Sabo, salut. Daniel Chérifal, bonjour. Ange Kakou, bonjour. Devant les gens, il te contredit. Pourtant, il peut attendre. Il peut attendre. Quand vous allez quitter devant les gens, il dit, mais il peut te demander, mais pourquoi tu as dit ça? Il dit, mais effectivement, c'est comme ça. Vous expliquez devant. Mais devant les gens, il va dire, non, 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 moi, j'aime pas ça. Faut arrêter de mentir. Chaque fois, en train de te rabaisser. Il y a des gens comme ça. Ils adorent rabaisser les autres. Bonjour, Asta. Ils aiment, devant les gens, rabaisser les autres. Pourtant, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Tu n'es pas mieux que quelqu'un. Florentine Ngbo, bonjour. Tu n'es pas mieux que quelqu'un. Personne n'est mieux que quelqu'un.
On est tous, nous tous que vous voyez là, on est même chose. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Quand il y a un problème là, de toute façon ça te fait mal, c'est comme ça que ça fait mal à l'autre. C'est comme ça que ça te fait mal, c'est comme ça que ça fait mal à l'autre. Andrea Graba, bonjour, Grabe. Zuela, j'ai oublié que Zuela n'est plus là trop. Ils aiment t'humilier devant les gens. Ils n'aiment jamais. Daniel Chérifa, bonjour. Ils sont comme ça. Et moi, base, j'ai horreur. Yolande Azo, bonjour. Maël Smith, bonjour. J'ai horreur de ça. Dès que tu m'humilies une fois, je ne parle plus là où on est assis. Mais quand on quitte là, je vais lui dire, depuis que tu me connais, j'étais une fois humilié. Toi, tu m'humilies devant les gens, pourquoi? Toi, tu as quoi de spécial que moi? Tu as quoi de spécial? Même, tu as dit qu'ils sont avec toi, toi qui n'aimes pas trop parler là. Ils vont tout faire, tu vas parler. Ils vont tout faire, tu vas parler. Thérèse Nguessan, bonjour. Mohamed Mustapha Touré, bonjour. Amena Marie-Paul, bonjour. Ils font tout pour t'humilier devant les gens, pour te rendre moins que rien. Ça dit que même ton sac à main, même que tu as acheté, c'est pas tout le monde qui a envie de payer des gros sacs à main très chers. C'est pas tout le monde. Tu t'es débrouillé, tu as eu tes 1000 francs dans Yougou, tu as payé ton sac là. Tu cires ça bien. Ils vont dire devant les gens, ah, c'est ton sac qui a coûté 1000 francs là. C'est une amitié ça. Hein? C'est une amitié. Elisabeth, joie de vivre. Oh, tu as le même nom que ma mère. Ma mère s'appelle Zia Senaou Elisabeth. C'était une très belle femme. Oui. Dessia Paul. Zen, comment vas-tu? Chantal Bolo Kiman, bonjour. Yao Ibo Landry. Eh, mon petit-fils, bonjour. Dansier Bailly, bonjour. Et puis, devant les gens, dit, ah, mais si je reconnais ton sac là, quelqu'un va dire ton sac est beau. Ton ami sur qui tu comptes va dire, ah, elle a payé ça 1000 francs l'autre jour à Yamé. C'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Toi, l'ami là, pourquoi tu fais ça? Hein? Ibrahima Sané, bonjour. Attends, j'ai porté semblant de lunettes là. Peut-être que j'ai à voir. On dirait que là, c'est mieux. Hein. Amena Marie-Paul. Ou bien tes chaussures. Et puis les femmes aiment ça. Les femmes, elles adorent ça. Quand tu dépasses une femme là, que toi tu as ta chepagne, elle regarde le bord, elle regarde ta chaussure. Comme si elle peut payer ça. Il y a des femmes qui payent leur... comment on appelle ça? Aïssa Mchendra, bonjour. Elles aiment regarder bord de pagne des gens. Justine Yann, bonjour. Et puis pourtant pour elle, là, elle court. Vous n'avez jamais croisé une femme qui a attaché, qui a cousu le bas de son pain là. Vous n'avez jamais vu. Elle court le bas parce que c'est fancy. Mais fancy, 1500, même 1000 francs. Les femmes payent ça. Elles mélangent avec des couleurs. Elles te tapent de ces belles robes. Quand elles arrivent même dans les grandes cérémonies, les gens quittent sur la route pour les laisser passer. Mais ton ami là, toujours, elle veut dire le prix de toi, tes amis, des habits. Il y a des gens qui s'habillent à 800 francs, du haut en bas, et puis c'est beau, c'est joli avec elle. C'est pas parce que toi, tu marches avec elle, tu as une vilaine forme, tu ne peux pas porter ça. Mais y a, ta forme là, il y en a au marché. Il y en a au marché. Yesolo, bonjour. Il y en a au marché. Mais chaque fois en train de choses, regarde comment ça s'habille. Ou bien cela. Celle-là. Dès que tu te lèves devant les étrangers, là,
Son mari l'habille pas. Hein? Bon, je ne sais pas comment elle fait pour s'habiller. Tu ne sais pas comment moi je fais pour m'habiller, c'est ton problème. Hein? C'est ton affaire. Si j'ai demandé, ce n'est pas ton problème. Si j'ai demandé, il y a des femmes qui sont quand même très intelligentes. Hein? Tu peux leur donner une robe. Elle va sur le tailleur. Elle retravaille la robe, toi-même qui as donné le cadeau là. Le temps, tu vas dire, c'est moi qui lui ai donné la robe là. Ça ne ressemble plus à ça. Ça ne ressemble plus à ça. Donc l'amitié est compliquée. Prends tes enfants, si Dieu a fait que tu as 3 ou 4 enfants qui sont grands déjà, qui parlent là, prends pour les mettre au dos, cause avec eux de tout et de rien. Parce que ton enfant, il ne va jamais prendre ton affaire pour aller dehors. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui sont très intelligents et ils conseillent les gens? Ils te conseillent. Ah maman, il y a ton ami qui est venu à la maison la dernière fois. Quand tu t'es levé pour aller dans les toilettes, elle a ouvert ton sac, elle a pris l'argent dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Elle met tout ce geste sur les réseaux sociaux. Il n'y a qu'un problème. Quelqu'un a cherché femme. Quelqu'un a fait machin. Aujourd'hui, là, les hommes sont plus beaucoup. Donc, j'étais en train de parler de l'amitié. L'amitié avec quelqu'un qui est bizarre avec toi. Elle peut venir te rendre visite. Hein? Tu es en train de faire la cuisine. Elle vient te trouver. C'est ton ami. Oh. C'est ton ami à qui tu fais confiance. Tu es dans la cuisine. Tu as oublié quelque chose que tu veux. Ou bien ton téléphone a sonné au salon. Parce qu'on dit on ne va plus avec portable dans la cuisine. Sinon, ça va te tuer. Tu viens, elle prend celle-là, elle met dedans, puis elle est là. Ta sauce là sera tout d'un. Bon, je m'en vais. À quel moment tu as mis celle dedans? Moi, je ne sais pas, hein. C'est quand tu n'as rien, l'affaire que tu te comportes comme ça. Oui, Alette. Amélie, Douaclé, bonjour. Moi aussi, je vous aime. Sans vous, je ne suis rien. Quand vous me voyez là, sans vous, moi, je ne suis rien. Et donc, ils sont là. Ils sont dans l'amitié floue là. Et puis, ça dit que tu as un problème même là. Elle vient faire comme elle te console. Elle se moque de toi. Est-ce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas quitter dans sa vie? Tu viens chercher quoi dans sa vie? Tu viens chercher quoi dans sa vie? Pourquoi toi tu viens dans sa vie? Faut la laisser. Faut la laisser. Elles vont venir là. Hein? Toi, ton mari là même. Hein? Souvent quand il passe vers notre maison là, il y a une fille qui regarde. On t'a demandé. On t'a demandé. Tu veux casser leur foyer. Si tu as cassé, on ne va pas te prendre. On ne va pas te prendre. Donc, voilà. Je dis à tout le monde du courage, hein. Du courage, voilà, je vous dis beaucoup de courage, on est ensemble. Donc, bon, moi, je vais vous laisser. Bonjour, Balo. Franck Maximilien, c'est quoi le nouveau dossier aujourd'hui? Le nouveau dossier aujourd'hui, là. C'est les gens qui marchent avec toi, tes amis qui sont bizarres. C'est d'eux on parle. Et des gens qui vont sur la toile au lieu de Jacqueline Moreau, bonjour. Au lieu de parler des choses importantes, il parle, quelqu'un a fait son enfant. Mais allez-y dans les maternités, il y a eu ce jour-là, quand José a accouché là, il y a eu des milliers de bébés qui étaient nés. Vous n'êtes pas parti parler de ça. C'est ça là, le problème là seulement qui vous intéresse. Maintenant, KS Blue, il est au Cameroun. Ils l'ont libéré ou ils ne l'ont pas libéré ou? Personne n'en parle. Voilà un dossier, les Ivoiriens doivent commencer à parler beaucoup, beaucoup pour que l'enfant rentre chez lui. Voilà le nouveau dossier qui est là aujourd'hui. Miley Smith.
Voilà, moi, je vous adore. Je vais vous laisser. Je vous aime beaucoup. Ce que vous avez fait dans ma vie, je ne vais jamais oublier. En tout cas, je vous aime. Maintenant, là, on dit quand tu fais ton direct, que tu... Charlène Bailly. Quand tu prends chanson de quelqu'un, ah, on te poursuit. Oui, je suis là, je ne sais pas comment c'est possible. Les chansons qui passent dans ce direct, ce sont mes chansons. Ce sont mes chansons. Ce n'est pas les chansons de quelqu'un. Donc, ce que j'ai à vous dire... Oh, Virginie Victorieuse, je t'aime beaucoup. Je vous adore. Je vous adore. Jack Farad, Bamba, Samba, bonjour. Oumaru, Konate, bonjour. Raïssa, Navirisco, Manoasso. Hey, Manoasso. C'est ça. Une salade, mon bande con. Mon chien d'assaut, mon ennemi, yao. Virisco. ZAB, salut. Manon Asso. Virisco. Manon Asso. Coronavirisco. Aïcha, Aïcha, bonjour. Zenzara de Tacheville. Je voulais dire bonjour ici comme ça à La Rafale, Ahmed Touré, mon fils, et sa femme, Madame Touré. Chimène Niaé, salut. Bien, voilà, on va arrêter comme ça. Je vous aime. Parce que vous là, si je vous suis là, je n'ai pas préparé mon riz aujourd'hui pour manger. C'était Thérèse Brazé, la voix des 100 voix. Vous êtes merveilleux. Vous, votre nom est à part. Vous êtes, sans vous, je ne suis rien.